auditeurs de Congo Ini Télévision, bonjour, bienvenue hein, dans votre émission, hein, émission qui vous informe sur les actualités du moment. C'est vrai que ces derniers temps, cette violence entre nos communautés, ça nous fait énormément mal. En tout cas, nous devons tous nous lever. Notre chaîne, c'est Congo Ini. Donc, nous voulons l'unité. L'unité dans toutes nos provinces. Nous sommes tous les Congolais où on a besoin de la paix. Surtout en ce moment. En tout cas, ça fait tellement mal. Et au moment, on a surtout bah, gisement, il y a des collègues tout autour. Il y a bah, tout, la bah, communauté. Et pourtant, on a toujours vécu ensemble. Il n'y a jamais eu de problème. Aux tribunes, aux alamungala, aux alamukongo, aux alamuluba, aux alamuswahili, aux alamuyaka, aux ala, je ne sais pas, mounande, aux ala. Donc, nous sommes surtout aux aliba congolais. Mais tu comme tu n'as pas niveau ya kobomana. Tu comme le kola baniyama, tu veux vivre sous le kola batouté. En tout cas, ça l'a tellement passé. On va en parler ce soir dans cette émission. Nous allons nous entretenir autour de ces sujets-là. On va également parler de la mission d'observation électorale aux années 5 ans la SCC par rapport à aux années erreur bon bah remarque qui au Sénat comité qui par rapport à la communication bah nombre d'électeurs. On va en parler ce soir. On va également parler d'une équipe hein, et d'une équipe réduite et bah opposition bah qu'en Afrique du Sud pour Luka Kukuna ou Azali candidat commun na Bango. Alors sur ce plateau monsieur Ernest Mwilu Azali cadre il a décidé moté na yonde ko Ernest moté maman Marlène moté na ba congolais nyonso moté na ba cadre na parti moté na ba congolais de l'Est au bazali toujours subir une atrocité de la part de nos voisins. Ils ne veulent pas nous laisser calme pour enfin le Congo ait emprunté chemin à développement. Nous sommes de cœur avec vous. Et puis, bah, message, il y a soutien à la population congolaise, originaire de Kasaï, au Bazali, maltraitée, violentée, à niveau de Katanga. Nous sommes Congolais, comme le Bakiango, nous voulons l'unité. Plus jamais ça, on aura l'abisso. Plus jamais ça. Effectivement, plus jamais ça. Alors, je note, 9 morts ont été signalés suite à une incursion de la milice Mobondo à Maluku, précisément dans le village Kieina Yoso, dans le groupement de Mbakana. Et en plus, tu as l'image, on va tenir le soupe dans Kasumbale, ça te monte, on va venir ici, on va l'école et tout ça, on va maman, en tout cas, on va des bandades, on va aller à Mbakuna. On ne sait pas finalement qu'est-ce qui se passe. Le gouverneur Bazaliwana. Mais je ne sais pas pourquoi vous allez pour encadrer les populations à binoter. Hein? Non seulement ça, mais les cette histoire-là, en tout cas cette atrocité-là, moi j'ai froid au dos. J'ai vraiment froid au dos, en tout cas. Ça, je dois quand même vous le dire. Surtout de voir une femme être traitée de cette manière-là. Non, mais s'il vous plaît. S'il vous plaît. Nous sommes où, monsieur Ernest? Voilà. D'une part, c'est l'absence de l'État. Et d'autre part aussi, c'est le chaos. C'est le chaos voulu par le régime en place. Dans le régime en place, bah, travailler de la façon dont c'est au chaos et comment. Ils sont prêts à accepter 2000, 5000, 10 000 Congolais. Bah, dans la façon dont c'est au chaos là, le chaos arrive. Et après, ce serait une justification pour Nabango pour se mettre autour d'une table, parler questions de paix, questions sécuritaires, organisation des élections, tout ça, parce que dans l'allure, on va remettre au Kendela, ce qui est basé sur le bateau, mais tout est sale à Kapenza. Parce qu'on a un lingo et un moka. Par contre, on continue à s'entêter, les bas s'entêter. S'entêter, Dani. C'est-à-dire, tous les ingrédients sont là pour que le pire arrive. Mais bon, on a eu la vérité, on a eu le cannabis, sauté, ma cambo, on a eu le cimbaté, on a eu le cimbaté. Non, pour le bango, bon, chaos de comme ça. Est-ce que bango, on a eu le créer chaos? Oui. Parce que ce qu'on a eu le bango, d'abord, quiétude. Moutou, face à la quiétude est régnée, kimia, sécurité, déplacement, la kimia. La communauté ne se vend dans l'âme en paix sur le territoire congolais. C'est le gouvernement. Donc c'est l'absence totale. C'est l'absence totale de l'État et de l'autorité de l'État. Au niveau national comme au niveau provincial. Okay.
Donc c'est l'État qui est responsable, c'est l'État qui, par son incompétence, par son absence, par son manque, il y a gestion beaucoup prévisionnelle, et ça, c'est que Batouba Koufandengi. Donc l'État a ça. Pointer Batou du doigt pour dire que on a tisé problème, il y a la violence sur les animaux Moïse Katumbi de l'autre côté. Bon, je ne prends pas parti pour. Bon, je ne prends pas parti pour les individus. Mais je crois que il y a eu 12 commerçants katangé qui ont été tués dans Mbujimayi. 12 commerçants katangé. Oui. On m'a dit que c'était un peu de communauté, mon sous se à l'État. À Sali, la bataille et à crime, on a nini. T'as essayé de le voter. Parce que mon père, na ma service de l'État, ils allaient pour la peau, ils allaient être ma garde-fou. Batmatambola, l'alignement. Moutapota Zambate, Kozolo Kamotote Zambabe, Kobomate, Boete, Boete, l'État Zawana, la service n'est pas là pour veiller. Pour être ma cambose à l'alignement. Mais tant où l'État, au sein de l'autre côté, menait les allées justice populaire. Bobomi Yangai, l'État, c'est de l'autre côté, Ramel Arobeko Luka, Naboma Yabino. C'est ce qui arrive. C'est ce qui arrive. On commande les actes posés. Mais à l'origine, c'est l'État congolais qui est irresponsable, hein, introuvant sur le terrain, regardez même action à la police César. Non, mais c'est légal, les gens de la police César intervenir. Aux hommes, même dans la chaîne nationale, va présenter la situation telle que tout le monde dans les réseaux sociaux. Nous, voilà, nous sommes là, puissants. Non. Image, vous pensez que ça va être dans les réseaux sociaux, les alliés, images à type Moro. Les images à quoi ça va être? Les images, il y a des comment. Ah, on va quand même à ce moment-là. Ah, ça va être comment on va quand même à côté de la bombe. Donc, on parle avec les Congolais, même la communication. Vous voyez, l'État congolais, sérieux, exactement, mais ce qu'il faut sérieux, c'est parce que ça vit à Batou. Je vous dis, je vais vous envoyer. Il n'a rien à voir avec. Il n'a rien à voir avec ma maman Malé Bankoulou. Il est à Zan à côté, à Est, à côté, à Goma, à Béli, à Kangaï, à Kamoro, à Outara, à Rwanda, à Kotane, à Kangaï, parmi la Touazaki, à Mbélior, à l'infiltration. Ça n'a rien à voir avec l'histoire de Malé Bankoulou. Malé Bankoulou, c'est deux communautés. On doit trouver cette question, on va traiter cette question de paix entre ces deux communautés. Il ne faut même pas aller dans le même poste. Mais ça, Natasoumbalé, ça te occupe qu'on a déjà des bandits. Mais ça lit parce que, regardez, les Katangais ont été tués dans Kassai. Mais vous pensez que seul Katangais avec les Mankolonais ont réagi? Peut-être qu'on ne peut pas, parmi les 12, il y a un déco, on ne peut pas, il y a 12 ans, on ne peut pas, il y a Natasoumbalé. Et aussi, vous réagissez. Innocente, on a la Katangais, on a innocent par rapport à l'ambassade de Makamouna Mbujimayi. Ouais, mais c'est pourquoi il faut éviter la justice populaire. Il n'y a pas une autre manière de régler ce problème-là. C'est l'État. Ce n'est que l'État qui a les mécanismes. Mais tout le monde qui a pas imposé. Même s'il faut revenir sur la communauté, voilà. On cherche même à être Batchakimia. Mais l'État doit s'impliquer. Parce que c'est la seule qu'on est. L'État doit contrôler tout et organiser les choses. Mais on habite sur lundi audio, il y a des copiteurs Kazadi, ou le ministre intérieur. À lever quand même voix pour blâmer tous les Kassaïens. Moi, à sa place, je me trouverais déjà Malé Bankoulou à ce moment. Moi, à sa place, je me trouverais dans Malé Bankoulou Sikoyo. Dans le Bana Bureau, on a été. Sans dire la place, il y a une minute, mais là, on s'est retrouvé dans Malé Bankoulou. Voilà. Donc, ça, c'est une fuite en avant. C'est un irresponsable, point bas. Moi, c'est pas, je serais déjà au Katanga. Mais ton copain s'appelle Ndekomouzi, tu as raison. Ndekomouzi, tu as Télémaki, tu as Mona qui est dans Kouamouzi. Azakou, tu as tant à Kati, à gouvernement, tu as. Par exemple, ça, comme leader, responsable de la population, Bakoyo Kangai, à Kitaki. C'est un exemple. Mais pas eu la salle en hauteur. Tu fais la commande. À Komaka. Oui, à Kendarape. Ça, c'est à Kendaki. Il ne doit pas être partout. Ce qui est de Komoussi, c'est à Kendaki. Là, c'est X, Y. Et ça, malam. Tu Kendaki, ça n'a été. Tu Kendaka. Les quatre, tu Kendaka. Tu Kendaka. Ce qui est de Kosaki. C'est un leader. Mais oh, Moutakéité. Vous ne pouvez pas prendre les choses en main aussi. Vous avez la paix qui est le 19 au Banda. Tu as dit que 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 tu
Mais avant, les bonnes volontés se manifester. Mais aller prêcher. D'abord, l'État congolais, l'État congolais, l'État congolais, Moutoyo, la constitution, la Kassaye, la Katangé, la Congo, la Nara, c'est l'État d'accord, nous sommes la Congo, la constitution est dirigée, nous sommes régir, nous sommes la Nara, Congo, Yango. Ma paix, c'est ce qu'on dit, mais 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 parce que ça, la société, parce que moi, j'ai mon canon. C'est à vous qu'on va demander des comptes demain. Pendant les 5 ans, 15 000 Congolais vont couper. Dans ma machette, dans ma sécurité, dans ma mine, tout ça. Expliquez-moi à couper quand on est. Mais non, vous avez à prendre vos sacs, vous rendre ma compte. Pendant les 5 ans, après, de quelle édition de Bénin de vocabulaire, rendez-nous des comptes. Mais c'est ça. Qu'est-ce qu'on doit conclure? On a conclu que le pouvoir, il faut les dirigeants congolais, les politiques congolais, le monde des alliés dans la logique de la redevabilité. Le temps où on gère, vous devez être redevable, n'a pas tout aussi géré, à tous les niveaux. Et quand on a ce principe de redevabilité, quatre naïos, on reçoit la responsabilité, il y a fonction, ça n'a pas autant, on a mis ça. Voilà. Alors, parlons d'une délégation hein, où il y a opposition qui s'est retrouvée dans l'Afrique du Sud. Je crois qu'au Ténabino, il y a la Moukande Devoskito comme Takei. Et puis accompagné de Jean-Félix Senga. Mais oui, alors, il y a une autre question. Le candidat de la Bino, surtout en Atoïe, quand même, qui est dénominateur comme les alliés de la République démocratique du Congo. Mais ceux qui ont connu, les alliés candidats Moko. Pourquoi, parmi les 25 têtes, on a eu des alliés très intelligents, ça, il faut quand même les soulever, ne peuvent pas soutenir un seul candidat unique qui va reprendre à l'opposition. Voilà. Avant d'abord de répondre à la question, Nayo, madame. Moi, je pense que dans la photo, comme on a un niveau, avant Moutoua a postulé un niveau à présidence de la République, il faut s'en attendre à un quota sur le plan représentation nationale. Il y a un candidat pour la République, par exemple, à lui seul, il peut réunir 5 millions de voix. Pour le théâtre, il y a 26 personnes et aussi là. Pour ça, il y a 26 personnes, on a populaire pour les Cabarons. Oh. Mais par audace, par escroquerie politique. Bon, constamment, on a la popularité. Non, ce n'est pas du tout, 400 députés ont aligné par mon assemblée de la populaire. Ah, je vous dis. Constamment, on a la popularité. Cette qui coûte le quai la popularité. Cette qui coûte la popularité. Constant Moutamba, c'est combien de. Ma maman n'a n'y a pas. Ce qui. Il faut que ce qui. Marie-Josée. Marie-Josée, il faut que. Bon, je vous dis, il faut un quota. Il faut un quota. Il faut au moins, nous avons réuni autant de voix. Il y a au moins les États-Unis, en France, ma aventure, c'est la réalité. Parce que la primaire, la réalité, la partie, la réalité, la réalité, ma regroupement politique, c'est la réalité. Vous voyez? Sinon, vous allez donner l'État. Dépense, moro, y a pamba, à sa rapidité de vote, bene, on va zan, on moussou, on 0,5% en voix aux voitures. Les candidats accompagnateurs des gros poissons. Alors qu'on n'a pas besoin de ça pour la République. Faut pas donner trouble à la mouton à Congolais, bah, on retourne à Canada, 26 au sein, alors que vous avez 4 ou 5 candidats phares. Donc, on ne va pas venir troubler les Congolais en logique. On a répondu à la question. Oui, là, c'est une proposition que je voulais vous faire. C'est-à-dire, nous devons arriver dans un niveau où on présente 2, 3, 4 candidats. Et le peuple sait choisir. On a rentré dans la liste de Mouroubé, le Bélé, c'est-à-dire, la République marche dans les désordres. C'est pourquoi on a instauré les désordres, même dans les institutions. Et ils sont censés être sérieuses même plus que siège à Vatican. Vous voyez? Alors, nous sommes en Afrique du Sud. Je pense qu'en Afrique du Sud, nous sommes en train de parler les règles du jeu. Comment contrer la fraude?
Comment amener Kadima à nous organiser des bonnes élections, bien qu'à ça, il y a des routiers. Comment déployer les terrains? Il y a un programme de société. Oui, projet de société, voir aussi comment se mettre d'accord autour d'un programme. Question, il y a candidat commun. Moi, je pense que par sincérité, par honnêteté, les autres candidats peuvent se dire, en 2018, on avait choisi quelqu'un à qui les Congolais aussi avaient placé confiance, qui avait été aussi élu. Malheureusement, Makanis Mabé a Ndeko Kabila, a rien à couper sa pouvoir à Ndeko Félix, mais qui n'a pas exercé son impérium. Et qui est resté 5 ans constant dans l'opposition. Pendant que nous autres, là, on faisait un mot au cas d'ici, on m'a simité, on a tout ça, tout ça, tout ça. Par reconnaissance. Par reconnaissance. Il y a un critère ou un an. Parce qu'il le mérite aussi. Tous les qui s'aillent les sous. Ne fût-ce pour un mandat, à exercer un période. Donc, on verra 5 ans après. Donc, c'est dans la 25 candidats. Non, je ne demande pas la 5, 25 candidats. Je demande à 3 ou 4 au Bazali, dans son pays. Parce que je me dis, c'est vraiment un petit peu. Par reconnaissance et puis par, je dirais, honnêteté scientifique, intellectuelle, morale. Parce que Fayulu est resté 5 ans constant dans le combat. Parce qu'il y a à travers ça qu'il y a l'Union sacrée. Il a raison, le ministre de l'Union sacrée. Le Tundou a été dans Ranaïe. Vous voyez, le Tundou a été dans Ranaïe. Ma tata, à ça, il partait à Yaki. Il a reconnu que le meneur de l'opposition, c'est Fayulu. C'est pourquoi je suis venu voir Fayulu. Parce que notre parti, c'est là où ils ont la carte d'opposition. Ils ont apporté ma tata. C'est ça, là. Vous le savez, il a travaillé avec là-bas. Donc, Moukoué vient d'arriver, il doit encore beaucoup apprendre. Ouais. Donc, moi, je ne vois pas. Je ne vois pas vraiment. Soyez honnête, Balili Congo, Balili Congolais, pour la nuit, il va reconduire les candidats de l'unité nationale, les sous. Je ne vois pas, en tout cas, contrairement à vous en avez. Mais pas. Question en Angaï, puisque tout le temps a besoin RDC et prospérer. Mais pourquoi ce n'est pas pour nous, tout le monde? Tout le monde a hormis Kadani Fayulu. Tout le monde a Katia Bamouni, surtout à Fayulu, pour soutenir Bamouni. Où est l'ini comme au Mingi? Non, il y a un élément, il y a un élément, il y a un élément au réseau. Et ce peut s'abîmer pas ces années que la paix de temps tout ça en haut. Moutoura a constat à comment le corps a fallu de la population. Qu'on change comme vous a facilité. Parce qu'aujourd'hui, le peuple porte Fallu. Porte Moïse Katumbi aussi, hein, n'oubliez pas. Oui, je ne refuse pas. Porte Matata Ponyo aussi. Je ne crois pas. Oh. Nous avons vu les images à Matadi, je ne crois pas. Et à Boma. Nous avons vu aussi les images de Mukwege à Matadi. De Bangobo, il porte l'élite, c'est un peu l'union. À trois, je ne crois pas. Donc deux personnes dans la carte. Oui. Mais il faut bailler au Canada. Oui. C'est facile. C'est ça facile. Vraiment. Je reconnais à Katumbi, Moutema Mounene. Je sais qu'il a tiré la fin. Na Union Soto. Oui, il a sali ba fiche. C'est pas la fin du monde. Il a eu à dépenser beaucoup pour ce pays, pour ce peuple. Et c'est pas la fin du monde. C'est pas la fin du monde. C'est pas la fin du monde. Ce n'est pas la fin du monde. C'est pas la fin du monde. Deuxième élément. Deuxième élément. Deuxième élément. Avec des élections transparentes et apaisées, même s'il n'y a pas un candidat commun de l'opposition, Félix a validé. Félix est notre adversaire dans la fraude. Parce que même dans la transparence, on embête à Félix. Je vous dis. Félix a un bilan. Oui. Et dans ce bilan, aucun emploi créé pour la jeunesse congolaise. Et cette jeunesse aux majoritaires et aux votants. Aucun emploi. Dans son discours là. À rendre Bangobo entrepreneur. Non, il ne les a pas rendus des entrepreneurs. Il a rendu Ekiri Nae, Nabalama, il est un millionnaire. Parce que ça va bien, on un millionnaire. Et ça comprend Ekiri Nae, Précaré Nae, ils sont millionnaires. Mais pas la population congolaise. Pas la jeunesse congolaise. Aucun emploi créé pour les Congolais. Donc, M. Ernest peut battre M. Fayulu. En tout cas, mettez la CENI indépendante et neutre. Il aura moins de 30% y avoir.
Ils sont peut-être déjà détruits. Mais oui, mais c'est son bilan. C'est son bilan. Il viendra avec un bilan que moi je vais détruire et proposer aux Congolais. Parce que lui, il n'a rien à proposer. Vous savez, un second mandat de la présidente de la République, et ça, quand on a monté à la qui c'est déjà compétence dans le premier mandat. Le problème, c'est comme il a bien travaillé le premier mandat, assis sur le deuxième mandat. Mais quelqu'un qui était scientifique, la logique, il y a le gouvernement sur la France. C'était qui encore? Ah, il y a un sommet à Francophonie. Ouais. Et le président, celui qui avait remplacé Macron, Nani, avant, a remplacé qui? Nicolas Sarkozy. François Hollande a postulé. Parce qu'il avait tenu des promesses, non, non, la Félix. 5 ans après, on le cimité, il a dit aux Français que j'étais la logique qu'il y a pour créer un emploi pour la vie. Non, je n'ai pas créé d'emploi, je ne postule pas. Je prends seulement une seule phrase, il y a Félix. Par respect à moralité dans les Congolais, a retiré sa candidature. Alors, ça veut dire qu'il nous a mis dans un statut, c'est qu'il a échoué dans le mandat. Il peut retirer sa candidature, c'est encore, il a encore temps, et les Congolais diront, bon, côté moralité, quand même ça va, nous te pardonnons. Entre reprendre à zéro et pérenniser les acquis de cet élan, finalement. Non, il nous a dit la vérité, qu'après nous, on doit recommencer tout à zéro parce qu'il n'a rien fait. Il a détruit même le peuple qu'il avait trouvé. Kabila nous a laissé une armée. Aujourd'hui, il n'y a même pas une armée. Armée, on fallait qu'on réforme. Aujourd'hui, il n'y a rien à réformer parce que l'armée n'existe même pas. Il nous a laissé une police. Aujourd'hui, vous voyez, Armel Mankoulou, la police est absente. Il n'y a pas de police. Ils sont là pour nous sécuriser en moto. Bah, tu vois, dans le parking, on se passe à tes alliés. Parce que c'est tes alliés. Il n'y a plus de police. Les policiers sont là pour attendre 1000 francs, 2000 francs. Oh, on a un petit jeep dans la police, dans la moto, il y a Zokengi là. Allez-y voir ça. Il nous a laissé un contrat avec l'Union européenne pour évacuer salité la ville de Kinshasa, qui n'existait plus. Nous sommes restés avec Ngombi là. Vous avez vu comment est-ce qu'il a rendu Kinshasa plus propre qu'avant 1960. Mais à tes commissions, moi, il y a Kinboupé, tu es dans Talamine, ça veut dire que les choses vont s'améliorer. Hein. Bon, Ndongo Mobila est le seul à remonter la vision propre. Il est le seul. Même il Ndongo Félix, c'est lui qui a une question de sanité. Quand il y a Ndongo Mobila, il y a une question de propre. Il a enseigné beaucoup de 408. Le chef de l'État l'a dit. C'est faux. D'ailleurs, il faut attendre. Il faut attendre. Donc, salaire, ils ont Et ça, 408 000 francs, c'est un mensonge. Il faut attendre. C'est un mensonge. Il faut qu'on a mouton qu'on ait 408 000 francs en an. C'est un mensonge. C'est un mensonge. D'ailleurs, les enseignants ont envoyé une capture. Hein? Une capture, il y a paye dans la banque. Il y a mois d'octobre. Il y a mois d'octobre passé. Une capture au mois d'octobre passé. Et en province, d'ailleurs, les gens touchent ma 290 000 francs. C'est un mensonge. Oh. Je vous dis, allez vérifier, c'est un mensonge. C'est un mensonge. De même qu'on avait menti à Kabila que les enseignants à l'université touchaient 2 000 dollars. Mais Abby, l'économie, ça va. Lui, il n'a pas trouvé de problème. Il est le seul à trouver que l'économie, ça marche. Il n'a qu'à demander aux Congolais. Oh, bah, tant regardez comment on a pouvoir lire qu'à ce sujet, il a 200 francs, lui, il a 800 francs. Il n'y a pas eu des avancées significatives. Sur en tout cas, il a échoué sur tous les plans. Quand il parle de 30 000 km de route, il ne faut pas parler de 30 000 km de route. Il faut être sincère, dire ceci. Avant mon arrivée, il y avait autant de kilomètres de route en termes de pourcentage. Il y avait autant de kilomètres de route asphaltées. Et 5 ans après, je les ai ramenés à autant. Mmh. En termes de pourcentage, avec des données scientifiques. Mmh. En pourcentage, les gens comprendront facilement. Macroéconomie, c'est le même discours avec Matata, non? Croissement des chiffres, ainsi de suite, mais l'impact sur la vie de la population, c'est ça le vrai thermomètre. Matata a dit aujourd'hui, c'est ça le vrai thermomètre. Vous avez toujours dit Lumumbiste, Tshisekediste, mais cette fois-ci ce sera Matatiste. D'ailleurs, c'est une mauvaise politique. Parce que ces gens-là vont changer de casquette, ils vont changer de nom, mais venir avec les mêmes comportements et détruire la population. Donc, moi, je ne suis pas dans cette approche-là. Bon, ben, Salimi, Yohana, et oui, il faut qu'il y ait des retraites. Netinanya qui est retraite. Les Mbosso, les Bahati, les Mende, ils sont nombreux. Les Steve Mbika, ils sont nombreux. Ils ont déjà montré leurs limites.
L'expérience, on va apporter. L'expérience, il y a au moins 108 places réservées pour les expérimentés, les vieux au Sénat. Sauf que si on a voté dans 108, on a été au Vannier, on peut savoir, on a été comme conseil. On est dans le cabinet. Dans le cabinet, on a la CIMA, on a ses bons plans. Mais il faut laisser les nouvelles énergies. Bah, paix, ça paix. Leur expérience a conduit le pays où? Monsieur Ernest, il y a tout ce bâti où on a toqué Pétozon. Par exemple, vraiment, on a vu toute une expérience vraiment gérée. Par exemple, hein, je donne l'exemple. Oh, j'ai beaucoup plus évolué dans l'administration scolaire. Jusqu'à être DE, préfet, une école, ceci, ceci. Donc, je connais l'administration, j'ai à gérer. Dans la CV, les qui attaquent à Félix. Félix. Les politiques, c'est beaucoup plus la moralité. Ce n'est pas les moyens financiers. Sinon, tu es Europe, mais les autres, les autres. Ces gens-là ne sont pas moraux. Ils ne sont pas moraux. Si je peux me permettre de dire ça. En tout cas, je leur donnerai 3, 4 sur 10. Tous ces gens-là, tout ce monde-là. Tous vraiment, à part Fayoulou. Pas Fayoulou. D'ailleurs, le monique à Fayoulou n'a pas. À part Fayoulou. Je les ai vus tous gérer, agir. Comment est-ce qu'ils détournaient, comment est-ce qu'ils sont derrière les gens, tout ça. Faire les Djalélo, tout ça. Je les ai vus, je les ai vus. Je les ai vus, tous, je les ai vus. Autre chose, on va parler de la 5OS ici, qui aurait observé que la CENI a commis certaines erreurs, notamment dans la communication du nombre des électeurs. Voilà. Mais, c'est qui, je crois que la vidéo, Sam, va nous balancer cette vidéo-là, où nous avons vu Yemoko Abe Chole, à l'obiété la cartographie des électeurs, ils se retrouvaient dans la site de la CENI. Donc, ça veut dire qu'on peut maintenant vérifier et que la CENI maintenant là, est transparente, on peut aller aux élections apaisées. Madame, on ne doit pas pousser la CENI à faire un bon travail comme on le fait maintenant. S'ils étaient sincères, si la CENI était indépendante et puis neutre, la CENI, parce que ce n'est pas le premier cycle électoral dans Bokor. La CENI appelle ça qui loi à répartition des sièges dans le Parlement. En annexe, il y a un nombre d'enrôlés à Tchèque. Mais dans le site, dans ma première donnée, il y a un peu parce qu'à l'époque, même si il y en a dans l'Italie, il y a un commune, circonscription, bureau de, centre de vote, bureau de vote, nombre de électeurs, nombre de votants par bureau. C'est ce que nous avons demandé. Et là, vous savez comment contrer la fraude. Parce qu'avec ce nombre de des votants par bureau, bon, vous n'avez pas à mesurer la témoin, il y a pour instruire Bango, le nombre de bulletins, pas mon nom. Même si ma déprimant, bah, il y a eu autant de bulletins, on va te voter, autant de bulletins, baby, nul, ainsi de suite. En tenant compte, le nombre de votants dans le bureau, non, non, qui n'a pas entraîné en son. Donc, ça va donner un travail facile, même aux témoins, il y a que ça, la même transmission va donner, bah, nous sommes en sous cas, il y a vote. Mais la CENI, comme par exemple, le fichier qui lit, la liste, nous sommes réservés pour le candidat X, Y, Z, il y a un moment qui va donner un acte. Et c'est par pression, la biso, surtout nous, la Mouka, de la CENI, malgré le nous sommes en train de nous faire. Nous sommes en train de parce que tous nous avons eu accès à. Donc, ils ont 43.941.891. Nombre des électeurs, parce qu'en réalité, il y a dit 443.955.181. Total enrôlé sur les territoires nationaux, plus diaspora, 13.290. Nous avons démontré dans la conférence de presse Mingi Koel et Salaki, comment est-ce que la CENI changeait le nombre d'enrôlés à chaque sortie médiatique, à chaque communication. Et on trouvait qu'il n'y avait pas de sérieux. Ouais. Donc aujourd'hui, quand il m'a cherché, c'est que là, si ça va maintenant, il fait du bon boulot. Mais en réalité, il a mal commencé. Il a mal commencé et tout ce qu'il fait aujourd'hui, c'était simple. S'il avait seulement accepté l'audit du fichier, on ne ferait pas la démonstration de l'alliance de l'absolu. Auditer le fichier, tout le monde sait qu'il y a autant qui est là, qui n'est pas là.
On doit encore les pousser aujourd'hui que les coefficients la liste est partout. Parce que moment-là, qui tant on a bien ici, ma candidat président de l'Afrique, elle a ma carte belle, belle, la canon, tout est là. Nous, notre problème, ce n'était pas revenu qu'on a que ça va tout bien, qu'on est présent maintenant, Falava qui. Oui, mais il a répondu à qui? Non, il a répondu seulement parce qu'il fallait répondre, mais il n'a pas rencontré les vrais contrepensés à président Fayoulou. Donc, Kadima prépare les chaos, et les chaos est là. Kadima prépare les chaos. Oui, mais les chaos est déjà là. Alors, il y a un peu de sagesse pour que les chaos ne se réalisent pas. Parce que les chaos est déjà là. Il reconnaît que les chaos est déjà là. Les chaos là, c'est quoi finalement? S'il vous plaît, est-ce que vous acceptez un président à CENI qui a le lot de l'électeur va chauffer la carte là-bas? Madame, nous sommes dans quel pays? Parce que dans la réalité, les duplicataires devaient servir à moins d'1% seulement. Il y a des électeurs, on va reperdre la carte là-bas. Car en euros, ça n'a pas plus d'1%. Mais lorsque c'est plus de 70% en Angolais, parce qu'on a pris le duplicataire. Et ça, c'est ce que le Cameroun repère de carte, mais c'est la mauvaise qualité à produire au CENI et qui n'a marché. Et là, on n'est pas sérieux. Alors, avec tout ce que le président Martin Fayoulou a dit à Kadima ces jours-là, moi, à sa place, le soir même, j'allais déposer ma lettre de démission. Qui allait déposer? Kadima. Mais l'élection, il y a ça les matins. Parce que l'élection, il y a malhonnête. Donc, il y a déposé l'élection, ça l'a mis dans mon tessico. Donc, on a d'autres types sur la carte à chaos. Non. Le chaos est là, il ne faut pas chercher ça deux fois. Le chaos est là, on continue, le chaos est déjà là. Mais par moralité, il fallait démissionner. Quand il m'a démissionné, négocions me retire aussi sa candidature. Et on va sauver la République. Comment? Mais nous allons organiser une transition sans barreau et puis on reprend tout à zéro. Et vous tiens. Nous allons nous organiser. Bon, gérer transition. On prend même quelqu'un de la société civile à gérer transition, les politiques du mandat. Voilà, on a politique, on a document, pouvoir, il y a mon candidat qui a recommandé. Donc, il faut pas vous lire. Parce qu'il a toujours été élu, il a toujours bénéficié de la confiance de la population. Et c'est le candidat de l'unité nationale. La seule personne qui unit tous les Congolais de tous bords. Mais quand on est en retard à la vidéo, il y a cadre de concertation de Fayoulou avec la vice-président Babi, Fayoulou, il y a la nouvelle président. Non, nous avons, la parole a été donnée, tant, vous vous rappelez, tant où il y a Covid, non? Le président était aux États-Unis. Alba qui a pardonné qui n'y a pas son haut et les cas en 2018. De ces pardons-là. Parce que c'était les coups entre Kabila et Tshisekedi. Alors, ces jours-là, en saluant notre frère Tshisekedi, c'est seulement pour montrer aux gens que d'abord, c'est un vrai chrétien. Deuxièmement que c'est quelqu'un d'une haute facture sur le plan éducationnel. Franck Dion a CPL en moté. Ça n'engage que lui. Et nous avons montré, parce que nous voulons faire la politique autrement, pour dire que en politique, nous restons adversaires et non ennemis. Voilà, c'était ça les messages. Mais bien, il y a un ennemi. 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 Nous les considérons comme adversaires politiques. Point barre. Nous, on n'a pas d'ennemis. Nous avons des adversaires politiques. Parce qu'on ne sait pas créer des ennemis au Congo, alors que. Vous trouvez au Rwanda dans le Bénin. Nous sommes dans le Congo. Ce qui nous a dit qu'on a des ennemis, nous sommes au Rwanda dans le Bénin. Nous sommes au Rwanda dans l'Est. Nous devons faire la part des choses. On n'a pas d'ennemis congolais. Nous sommes des adversaires politiques. Nous sommes des adversaires politiques parce que moi, j'ai des frères qui sont dans l'Union sacrée. Un frère à Libot, il y a une belle famille dans l'Union sacrée. Comme aussi, une dernière question pour clôturer cette émission. Ce sera également votre mot de la fin. Oui. Alors, M. Ernest, avec tout ce qui est en train de se passer, nous avons failli la décevoir Bino. Non, mais ce qui nous a union sacrée, aïe pas n'ailleurs le bien c'est un service, beaucoup rendre aïe. Donc au Lukata, pour ça il a eu campagne, monsieur Ernest. Non, je ne le ferai pas. Au bout, non, je ne le ferai pas. Au bois, frère. T'es dans ça dans mon thème. Oh, mais oui, bois, frère. Non, quand on est adversaire, écoutez, on est adversaire. Vous pouvez demander à un coach, il y a des rings, à aider l'équipe à vite, tant qu'on va mettre un match, il y a des rings. Non, moi je ne cours pas derrière les postes. Un mot de la fin, on va terminer. Je ne cours pas derrière les postes. J'ai une moralité, il y a aussi la politique autrement. Parce que vous vous rappelez que dans la carrière politique, j'ai quitté mon leader Congo, donc mon ancien, j'ai quitté
José Ndundo, j'ai quitté Katumbi. Et Bango nous on a quitté Bango, même Dio Mendonga. Car on a occasion, autant qu'on a quitté l'opposition, à quel parti, à quand il y a pouvoir, moi je quitte les partis. D'ailleurs, l'opposition jusqu'à la mort. Non, non. L'opposition jusqu'à la mort, mais que l'opposition arrive au pouvoir, dans ma case, moko, et par le peuple, le principe, il y a gouvernance, nous arrivons au pouvoir, c'est que son pouvoir bascule dans l'opposition. C'est ça la logique de la démocratie. Ah, et non, transhumant. Non, je ne suis pas transhumant. C'est votre mot de la fin? Oui, je ne suis pas transhumant. Donc, retenez cela, vous ne verrez jamais Ernest derrière les postes, tant que dans la politique, on a beau chaos. Je resterai dans la principe démocratique et républicain. L'opposition arrive au pouvoir, l'opposition, où est-ce qu'il y a le pouvoir avec l'opposition, c'est ça. Merci beaucoup. Alors, cette émission est finie. Hein. Abonnez-vous, likez, partagez, laissez-nous un commentaire ou une question. Nous sommes là pour vous. Nous allons vous répondre parce que Congo uni, nous voulons à ce que Bissonio surtout, tout Sangala, la unité pour que tout tombe la Congo et la lobby. Pour que là-bas, on a Bissonio. Tout à l'heure, on a démocrité les écoutés. Nos enfants méritent mieux, plus que nous. Au revoir.